Est-ce que Anne est là? Is Anne here? Viens leur rendre témoignage de comment tu as été désenvoûté. Come and give them the testimony on how you have been disbewitched. Et si on a le temps, après on va dire quelque chose sur la formation des disciples. If we have time, we'll add something on the making of disciples. Mais le besoin. But the need. C'est comment on finit avec le passé. Is how we finish with the past. Comment peut-on amener les croyants à entrer dans leur bénédiction? Can we lead the believers to enter the blessings? Quand on est déjà maudit, est-ce qu'on peut être béni? When you are already cursed, can you be blessed? Si on trouve un peuple envoûté, qu'est-ce qu'il faut faire pour les désenvoûter? If you find someone who is bewitched, how can you manage? Est-ce que l'envoûtement existe? Does bewitchment exist? Et quand il existe, il consiste en quoi? And when it exists, what is it? Quels sont les symptômes? What are the symptoms? Qui peuvent t'aider à savoir que celui-ci est envoûté? Which can help you to understand that this one is bewitched? Nous avons opté pour les témoignages. We have chosen testimonies. Parce que c'est la voie directe d'enseigner. Because it is the direct way to teach. Dans le journalisme, on dit que le journaliste ne parle pas, il fait parler. In journalism, it is said that journalism does not speak, but it makes people speak. Au lieu de dire j'ai ressuscité quelqu'un, tu amènes quelqu'un qui dit qu'on m'a ressuscité. Instead of saying that I've resurrected someone, you send someone who come and say, I have been resurrected. Ça marche dans le monde. It works in the world. Et ça marche doublement en Christ. And it doubly works in Christ. C'est pour cette raison qu'on parle de témoignages. This is why we speak about testimonies. Le témoignage porte sur Jésus avant son ministère terrestre, pendant son ministère terrestre et après son ministère terrestre. The testimony is about Jesus before his earthly ministry, during his earthly ministry and after his earthly ministry. Ce que nous allons écouter, what we are going to hear, c'est ce qu'il a fait après son ministère terrestre. Is what he did after his earthly ministry. Quand il a dit aux apôtres, when he said the apostles, comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. Me too, I am sending you. Alors, quand ils sont partis, so when they left, est-ce qu'il y a le résultat? Can we see the results? Est-ce qu'il y a des choses qui montrent que ceux qui sont partis au nom de Jésus sont bénis? Are there things which show that people who went on Jesus' behalf are blessed? Tiens-toi ici. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anne Joséphine Kpaé. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier Boniface. Et ce soir, j'ai dit merci à Dieu qui m'a délivré de la pauvreté, il m'a délivré du chômage, il m'a délivré de la stérilité et il m'a délivré du célibat. Alléluia. Donc je lui suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Je suis née dans une famille catholique et j'allais régulièrement à l'église, mais Dieu m'a fait voir que je n'étais pas sauvée. Et je suis sortie de là. Et ensuite, je suis allée dans une communauté, Pentecôte. Là-bas aussi, je faisais beaucoup de choses, mais je sentais le ciel fermé au-dessus de moi, parce que tout était bloqué. Et je suis allée à l'école de CP1 jusqu'en terminale. Je n'ai repris aucune classe. Donc, on peut dire, j'ai fait un parcours sans faute. Je ne connaissais pas l'échec. Mais lorsque je suis arrivée à l'université, tout a commencé à devenir difficile pour moi. D'abord, même la deuxième année, la première année, j'ai repris la première année. Et après le bac, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu un squelette qui venait me saluer. Et l'intention de ce squelette, c'était de paralyser mon bras droit. Mais j'ai dit au nom de Jésus, alléluia. Et l'intention n'a pas été mise en pratique. J'ai été délivrée de là. Et pendant les deux années, la deuxième année, mon grand frère qui me scolarisait a été licencié de son travail. Et je n'avais pas de soutien financier. Il fallait que moi-même je me débrouille
en vendant pour pouvoir aller à l'école. Et c'est comme cela que j'allais à l'église. Je partais vendre, je partais à l'école. Alléluia. Tout était difficile. Je vendais. Je ne trouvais pas assez d'argent. C'était compliqué. En tout cas, j'étais chrétienne. Et je désirais la délivrance. Je cherchais aussi la délivrance. Et par la grâce de Dieu, une sœur, la sœur Fabienne, qui était à la communauté missionnaire chrétienne, CMCI, qui était dans la même communauté que moi, a quitté la communauté Pentecôte pour venir à la CMCI. Et un jour, elle m'a dit, je suis partie dans une communauté dans laquelle les gens font beaucoup de délivrance. J'ai dit, ah, si c'est quoi, si tel est le cas, je vais aller pour me faire délivrer. Et lorsque je suis arrivée, on m'a demandé de faire la repentance, de faire le baptême et aussi le brisement des liens. Juste après le brisement des liens, je vois une de mes sœurs qui est décédée. Et elle était comme une maman pour nous. Et je la vois en rêve. Elle dit, je tiens. Elle est sortie, je tiens tes bénédictions. Elles sont avec moi dans le tombeau. J'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. Elle dit, je tiens ton mariage. J'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. J'ai arraché mes bénédictions. Et on reprend. Tu parles, il faut articuler bien. Quand tu as vu ta sœur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis ça distinctement. Ma sœur m'a dit qu'elle tient mes bénédictions avec elle dans le tombeau. Très bien. Donc j'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. Elle dit, je tiens ton mariage. Au nom de Jésus, j'arrache. Et je me suis réveillée. Et pendant cette période, il y avait un jeûne de 30 jours. En ce temps, c'était le renversement des idoles. Ce n'était pas le renversement des principautés. Et pendant ce jeûne, je me suis vue je suis rentrée dans un magasin. Et j'ai vu que dans ce magasin, il y avait seulement les culs magie, blanc et jaune. Donc, elle donne là un détail important. Nous, on renversait les idoles. Au début, ce n'était pas contre les démons, c'était pour se sanctifier, parce qu'on voulait aimer Dieu. Et pendant cette période, je me suis retrouvée dans le magasin. J'ai dit, mais comment se fait-il que dans un supermarché, il n'y a que les cubes magiques blancs et jaunes? Donc, si tel est le cas, je retourne. Je me suis retournée, j'ai vu que la porte était hermétiquement fermée. C'était fermé et ils ont remblayé avec des briques. Et j'ai prié, je me suis mise, j'ai prié, prié, prié. Non, ça veut dire qu'elle était dans une prison spirituelle. Qu'est-ce qui déclenche cette bataille? Le renversement des idoles. Continue. J'ai prié, prié, prié. Après la prière, il y a eu une ouverture. J'ai dit non, en architecture, pour ce genre d'édifice, ça dit quand il y a les grandes surfaces, il faut des grandes ouvertures. Donc il faut, pour cet édifice, il faut une deuxième ouverture. Et je suis partie me mettre dans un autre coin. J'ai prié, prié, prié. Et il y a une autre ouverture. Il y a une porte qui s'est ouverte devant moi. Et je suis sortie sur un goudron. Ça, c'est très important. Parce que quand on te délivre, si ton esprit est faible, tu ne coopères pas au niveau spirituel. C'est pour cette raison qu'il faut renverser les idoles pour être rempli du Saint-Esprit. Là, tu peux décider que je ne reste plus ici parce que ton esprit est vivifié. Un homme envoûté a un esprit passif. Il dort dans les prisons spirituelles, il ne s'en rend même pas compte. Donc, quand on renverse les idoles, le Saint-Esprit nous remplit. Quand le Saint-Esprit remplit l'esprit d'un homme, son esprit devient vivant. Quand tu le mets dans une bouteille, il ne peut plus rester. Tu fermes dans une prison, il cherche la sortie. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc son esprit, c'est la même personne. Mais la différence, c'est qu'elle vient de faire le renversement des idoles. On n'a même pas imposé les mains. C'est-à-dire que Dieu opère la vie parce qu'elle est entrée dans un principe vrai et puissant. Le renversement des idoles. Continue. Gloire à Dieu. Et nous avons poursuivi les moments de jeûne, de renversement. Et quelques années après, je me suis mariée. Le mariage qui avait été pris, j'ai arraché, je me suis mariée. Et je suis arrivée Acclamons d'abord cela pour Jésus. Jésus-Christ.
Vous voyez que ça apporte les bénédictions. Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, le pasteur ne doit-il pas être heureux? Alors, donc, quand on se marie, les pasteurs sont contents. Voilà. Elle est délivrée. Sa sœur lui a dit, sa sœur morte, lui a dit, je tiens ta bénédiction dans le tombeau. Elle est avec moi. Elle a dit, je l'arrache. Cette réponse-là, par son esprit, est déterminante. Si on te presse dans un son, tu veux parler, tu ne parles pas. On t'attaque. Tu n'as pas la force. You don't have strength. Quand tu es vivifié, when you are vivified, si on te tient par la main pour tirer, tu peux ramener ta main, tu peux dire laisse-moi. If you hold your hand and pull you, you can take your hand back. Quand tu es envoûté, tout ce qu'on fait, everything that they are doing, tu suis parce que tu es envoûté. You just follow because you are bewitched. Ta volonté est subjuguée et domptée. Your will is overcome. Donc on peut te prendre. So they can take you. On te donne un morceau de viande. They give you a piece of meat. Dès qu'on fait comme ça, tu prends. As soon as they give it to you, you take it. Si on veut que tu manges, tu amènes ça toi-même dans la bouche. If they want you to eat it, you send it yourself in your mouth. Quand tu es délivré. When you are delivered. Même si on pose ça sur ta main. Even if they put it on your hand, you just tu as l'intuition et la puissance pour rejeter. You have intuition and the power to throw it away. En fait, l'envoûtement est une chose très mauvaise. In fact, bewitchment is a very bad thing. Tu n'as plus de volonté. You have no more will. Une fille nous a dit en Allemagne qu'elle rêve que sa mère lui donne les déchets qu'on appelle a les caca. Excusez-moi. Todas. Elle donne, elle met dans la bouche, elle mange. A mother give a defecation and she eat it. Et rien ne marche. And nothing works. Même in life. En Allemagne. Even in Germany. Dans un pays développé. In a developed country. Écoutez ça très bien. Listen même toi, it carefully. Même toi, tu n'as pas bien compris. Écoute bien. Even you did not get it well. Listen very carefully. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils interrogent pourquoi. Because when people don't understand, j'ai prié. Keep on saying why. Tu as prié comment? I prayed, but how did you pray? Elle priait avant. She used to pray in the past. Elle priait. She used to pray. Et elle fuyait le péché. And she was getting far from sin. Elle fait partie des filles qui se sont mariées sans connaître l'homme. She is one of the girls who married themselves without having sex. Mais il y a des gens qui disent je vis la sainteté parce qu'ils ne commettent pas l'adultère, ils disent vive la sainteté. Pourtant, ils mentent, ils sont orgueilleux. There are people who say that I live in holiness because they are not adulterers, but they lie and they don't tell truth. Mais sa délivrance commence quand elle décide de renverser les idoles, comme cela avait été enseigné à l'Église. Her deliverance starts when she decided to overthrow idols as it was taught in the church. Elle était chrétienne, mais sa sœur tenait ses bénédictions dans la tombe. Elle est partie avec. Elle est morte. Elle est partie avec. But her sister held a blessing in the grave. She died and she left with it. C'est comme ça le monde de ténèbres. This is how the world of darkness works. Un vieux peut mourir, un père, il part avec toutes les richesses, il est dans la tombe, ses enfants souffrent. An old man can die and he go in the grave with all the blessing and his children suffer. Les pasteurs doivent avoir des révélations venant de Dieu pour délivrer ce genre de personnes. The pastors must have revelation coming from God to deliver such people. D'abord, s'ils ne sont pas délivrés, ils ne peuvent pas aller loin. First, if they are not delivered, they cannot go far. Après 10 ans, 20 ans de bataille, after 10 years, 20 years of battles, ils vont quitter l'église. They will leave the church. Continue. Gloire à Dieu. Au niveau des études, j'avançais lentement. Il faut ajouter sûrement aussi. Et sûrement aussi. Gloire à Dieu. En tout cas, j'avançais lentement. Pour quelqu'un qui n'avait pas connu d'échec, j'ai repris la première année, j'ai repris la licence, la maîtrise encore, ça traînait avec les,
les recherches, le deuil, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du deuil. Là, vraiment, toutes les puissances des ténèbres se sont levées encore contre moi pour m'empêcher de soutenir. J'ai eu 5 thèmes que j'ai traités entièrement. Chaque fois que je fais, on dit c'est pas bon. J'ai dit c'est pas grave, donnez-moi ce qui est bon. On me donne. Jusqu'à dans mon département, on m'a surnommé le symbole de la résistance. Ben, je me dis que tant que je vis, je peux faire. Alléluia. Et c'était une persévérance. Et j'étais fatiguée. Au 5e thème, là, ce jour-là, celui qui tenait durement mon dossier dit, tiens ton dossier, va chez un autre encadreur. J'ai dit dans mon cœur, gloire à Dieu. Et ce jour-là, maman Colette était à Koumassi. Je voulais voir papa, mais lui n'était pas là. Le pasteur Meunier, il n'était pas là. Mais je suis partie la voir. Et elle me dit, qu'on refasse ton brisement des liens. J'ai dit, d'accord. Ça arrive quand le mari et la femme rendent ministère sous l'onction du Saint-Esprit. That happened when the husband and the wife minister under the anointment of the Holy Spirit. Continue. Et mon brisement des liens a été fait. 2 semaines après, le sujet qui n'était pas bon, on m'a appelé pour faire la soutenance. Allez. Là, on a fait quoi? Vous notez 2 choses. Elle a renversé les idoles. She overthrew the idols. Elle est sortie de la prison. She got out of the prison. Elle a arraché les bénédictions que sa sœur, sa défunte sœur gardait dans le séjour des morts. She snatched back a blessing dans la tombe. That a dead sister kept in the Hades, in the grave. Mais l'envoûtement agit toujours. The bewitchment is still on. Ton esprit peut être vivifié. Your spirit can be vivified. Et tu as besoin de brisement de liens. But you need breaking of evil ties. Le frère Zach dit que les choses se passent comme Lazare ressuscité. Brother Zach said that things happen as Lazarus resurrected. Mais qui est encore lié. But who is still tied. Elle peut continuer, mais la marche sera toujours difficile. She can continue, but the walk will still be il hard. Il a la vie, mais there il is est life, lié. But she is tied. He donc, is tied. On doit briser les liens. So we must break the quand evil on a ties. Brisé les liens, when we broke them, au niveau humain, on l'appelle. Humanly saying, les she's gens, called. Dans ce monde ambiant, in on this dit, current toi, là, world, viens avec ton travail. They say, you come with your work. Viens avec ta mémoire. With your thesis. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Les gens, quand ça marche, les gens qui t'ont fait du mal te cherchent. When it works, people who did who hurt you si, look for you. Si le diable a volé tes enfants, qui ne te salue plus. Quand ça marche, ils viennent, ils te cherchent. If the devil has stolen your children and they don't greet you anymore, when it works, they will come and look for you. Si c'est ton épouse ou ton époux, ce qu'on a volé, il revient. If it is your husband or your wife, il ou elle revient. Who was stolen, he or her or she come back. Ça, ce sont les vertus. These are the virtues of a deliverance. Du désenvoûtement. Of a disbewitchment. C'est différent de quand tu chasses un démon qui se manifeste. It's different from when you cast out a demon which shows itself. Le frère a enseigné que on ne chasse pas les principautés, on les renverse. Brother Zach taught us that they don't cast out principalities, they just overthrow them. On ne chasse pas les forteresses, on les démolit. We don't cast out fortresses, we demolish them. Mais si c'est un démon, but if it is a demon, qui habite quelque part dans le corps d'un homme, which lives somewhere in the body of a man, tu lui dis, sors, va-t'en. You say, go away. Il va partir. He will leave. Mais on ne chasse pas les liens. But we don't cast out the ties. On les brise. We break them. Les liens sont le résultat d'un complot malsain de te garder en prison. The ties are the result of an unsound plot to keep you into a prison. Ce sont des chaînes, des liens. There are des chains.
Il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? It said, why these noises among the nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Why these vain thoughts among the people? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre le Seigneur et contre son nom? Why are the kings of the world against the anointed one? Brisons leurs liens. Let break the ties. Délivrons-nous de leurs chaînes. And let deliver ourselves from the chains. Il ne faut pas rester. J'ai des problèmes. Don't stand. I have problems and problems. Just break the ties. On doit briser tous ces liens. All those ties should be broken. La chose qui a permis à ton père ou à ta sœur de te livrer. The thing. Ça on appelle le lien. Il faut briser ça. The thing that allow your father or your sister to deliver you into the hands of people, you must break it. Dès que c'est brisé. As soon as it's broken. Tu es libre au niveau spirituel. You are free spiritually speaking. Parce que en fait, selon l'enseignement de Jésus, because in fact, according to the teaching of il Jesus, il dit que l'homme spirituel est comme le vent. Il souffle, on ne sait d'où il vient, d'où il va. The spiritual man is like the wind; it blows, and we don't know where it's coming or where it's going. Ça veut dire que en Christ, on est libre spirituellement. It means that in Christ, we are free spiritually. Dès que tu ne peux plus bouger. When you cannot move, you cannot move anymore. Tu es en prison. It means you are in prison. Et ce n'est pas normal. And this is not normal. L'homme spirituel est libre. The spiritual man is free. S'il dit je veux lire la Bible, il lit. Il dit je veux prier, il prie. Il dit if je ne veux says, pas pécher. To read the Bible, il dit he can. Je ne pêche pas. Il if says, I don't want to sin, il calme. Quand ton cœur est attiré, même quand tu jures que tu ne vas plus boire, tu bois en tremblant, ça tombe dans ton estomac, tu es envoûté. When your heart is attracted, even when you swear that you won't drink anymore, but you go and drink, tu as besoin mean that de, tu as besoin you are bewitched. De délivrance. Tu as you besoin need de délivrance. Deliverance. Si tu penses que tu n'as pas besoin de délivrance, tu vas mourir dans cet état-là. If you think you don't need deliverance, you will die in this state. Parce que quand on est malade, because when you are sick, on cherche le médecin. You look for the doctor. Continue. Gloire à Dieu. Et j'ai fait la soutenance. Lors de la soutenance, on ne m'a posé aucune question. Ils ont simplement apprécié le travail et je suis sorti. Le travail qu'on avait rejeté, plus de, il est bon, très bon. That was rejected, they say now that's very good. Ça va t'arriver. That will happen to you. Et je devais m'inscrire pour le doctorat. Quand j'ai déposé mes documents pour les formalités administratives, on a notre institut, le directeur de notre institut a refusé de signer le document. Donc mais on va continuer un peu, mais écoutez le résultat. The battle is still on, but mais Dieu a tout fait. Il a fini par céder, il a signé. Alléluia. Et un jour, j'ai fait un songe, je vois un serpent que je voulais tuer. Mais mon pied a touché légèrement le serpent et je me suis réveillée. Quelques jours après, je suis tombée malade. J'ai fait 8 mois de maladie pendant lesquels je ne pouvais ni lire ni écrire. Et c'est la prière des frères. Les frères ont beaucoup prié. Les anciens, je suis partie au collège des anciens. Ils ont prié pour moi. Et un jour, je rêve, on fait sortir à la même place de l'endroit où le pied avait touché le serpent, un symbole, je crois, de Maïkari. Ceux qui font avec la croix, une étoile, c'est ce qui est sorti de mon pied et j'ai été guéri. Jésus-Christ. Jesus Christ. On appelle ça les renforts. Quand tu attaques l'ennemi, when you attack the enemy, il peut appeler le secours. He can look for rescue. Mais là, quand Jésus est là, le secours même devient vain. But when Jesus is there, the rescue becomes vain. Et là, le rôle des frères qui and prie here, les uns pour les autres et signalé. Here, the role of brothers who pray for one another is shown. Selon le plan de Dieu, according to the purposes une of God, bonne église locale, dans une bonne église locale, les gens doivent prier les uns pour les autres, prier les uns pour les autres. In a good local church, people must preach and pray for each other, for one another. Les dirigeants demandent pardon pour tous les péchés commis par le peuple. Tout, the tout. Leaders beg forgiveness for all the sins committed. Parce que nous allons le voir à l'académie ici. Because quand on a chassé tous les démons, qu'est-ce qui nous reste? C'est le combat spirituel. When he have cast out all the demons, what remains is the spiritual warfare. Le combat ne finit pas.
The warfare does not finish. Parce que nous sommes en train de conquérir le monde pour Jésus. Because we are conquering the world for Jesus. Quand il va revenir, when he will come back, le combat s'arrête. The battle stop. Et il nous prendra, and he will take us, pour aller passer les noces avec lui. To go and live with him. Jésus Christ. Jesus Christ. Il va essuyer les larmes. Les larmes là, ça dit qu'il va, il va nous consoler. He will counsel us. Une seule seconde, tu vas oublier toutes les souffrances de tout only le monde. Only one second, you will forget about all the sufferings of the world. C'est ce qui nous attend. This is what is awaiting us. Là-bas, tu, quand tu veux pleurer, tu fais ça. Il n'y a pas les larmes dans tes yeux. Over there, c'est even il n'y a one, pas ça là-bas. Even if you want to cry, you do like this, but l'émotion qui donne les pleurs là, va te quitter. Il n'y a pas ça là-bas. The emotion which gives tears will leave you. Jésus de Nazareth. Oui, Jesus continue. Of Nazareth. Gloire à Dieu. Concernant la prière des frères, avant je faisais des sons, je voulais monter en hauteur, mais j'avais des difficultés à y arriver. Mais un jour, j'ai vu dans un songe où les frères me poussaient pour me faire monter. Là, c'est juste une parenthèse. Et quand j'ai fini la thèse, j'ai déposé, le travail étant en instruction, j'ai eu un accident de circulation qui a failli m'ôter la vie. Mais je ne suis pas morte. Et pendant cette période, j'étais en train de supplier Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde mon âge. Oh Seigneur, j'ai besoin de travail. Et j'ai prié. J'étais malade pendant cette période parce que je venais de faire un accident. Et je prenais les médicaments. Donc je jeûnais jusqu'à midi. Et c'était aussi la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et les enseignements ne s'éteignaient pas dans un seul endroit. Le pasteur faisait les enseignements à zone. Et moi, je suis de la zone de la Riviera. Le tour de la Riviera, c'est le mardi. Et ce jour-là, il avait enseigné sur la supplication. Qu'on devait supplier Dieu pour les péchés des parents. Il a pris le cas de Daniel. Et avec un exemple, Daniel a fait 21 jours qu'on devait rentrer dans le jeûne. Dès que j'ai entendu ce message, malgré la maladie, le lendemain, je me suis mise dans le jeûne. Au lieu d'arrêter mon jeûne à midi, 15h ou midi, je suis partie jusqu'à 18h. Et comme la Bible dit, le même jour où j'ai pris la chose à cœur, le même jour, le Seigneur m'a exaucé. Jésus-Christ. Frère, il est intéressant d'obéir au message. Quand nous entendons les messages, il faut automatiquement obéir. Il ne faut pas reporter. Et qu'est-ce que j'ai vu? Dans un songe, je me suis retrouvée dans la cour familiale. C'était une cour de pauvreté parce que le sol était noir. Et je vois au coin de la maison, je vois mon tombeau. J'ai dit, vous m'avez enterré ici. Et à ma mort, où est-ce que vous allez m'enterrer? Je suis sortie de cette maison en crachant. C'est comme une vomissure, tellement la salive était abondante. Et lorsque je suis sortie, je me suis assise et j'ai vu une lumière dans le ciel. J'ai entendu une voix qui dit, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le corps. Et ce corps-là a été ressuscité. Frère, quand j'ai eu le bac en 93, j'ai passé assez de concours. ENA, 4 fois. CAFOB, instituteur, éducateur spécialisé, éducateur permanent. En tout cas, j'ai oublié certains. Alléluia. Aucun n'a marché. Mais l'année où Dieu a ressuscité le corps dans le tombeau, j'ai déposé les dossiers pour un recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Et mon dossier a été retenu. Jésus-Christ. Et pour enseigner, j'enseignais au collège moderne d'Abengourou. Et pendant que j'y étais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à l'enseignement, mais ce n'est pas ici que je dois rester. Seigneur, interviens.
Et je continue encore avec le renversement des principautés. Quand je partais, j'ai parcouru une très longue distance sous le soleil. J'ai prié, je disais, Seigneur, Pharaon qui ne veut pas que j'aille à Canaan. Seigneur, force la main de Pharaon. Seigneur, force la main de Pharaon pour que je soutienne mon doctorat. C'était la prière. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait conduite. J'ai prié, 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 prié. Et Pharaon qui ne voulait pas, Pharaon a cédé. Jésus-Christ. Dieu a forcé la main. Au point où, le jour même de la soutenance, il dit, je ne voulais pas que tu soutiennes. Alléluia. Dieu a forcé la main. Et j'ai soutenu. Et après la soutenance, il y a aussi le travail. Il fallait aussi rentrer encore dans le jeûne des principaux, renversement des principautés. J'ai encore intercédé. Je me levais les nuits. Frère, je ne mangeais pratiquement pas. En tout cas, quand je marche, ça est dans mon esprit. Même quand j'étais à Bengourou, j'enseignais. Par moments, ça vient dans l'esprit. Je supplie Dieu. Alléluia. C'était un esprit de prière que Dieu m'avait donné. Et j'intercédais. J'ai supplié. J'ai supplié. J'ai supplié. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je sois recrutée à l'université Pelleforo Gonkoulibaly à Korogo, comme enseignant-chercheur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Comme enseignante-chercheur à l'université de Korogo. Donc, il y a un élément, notre élément qui s'ajoute, la prière d'opportunité. The prayer of opportunity. C'est un paquet, il ne faut pas prendre une seule chose. It's a package, don't take only one element. Tu ne peux pas venir comme ça, tu choisis renversement des principautés. Don't come and choose overthrowing of principalities. Tu dis, je n'aime pas le brisement des liens. I don't like the breaking of evil ties. Tu dis, je n'aime pas la repentance. I don't like repentance. Nous sommes dans la grâce. We are in the grace. Et puis tu vas avec le renversement des principautés. And you go with the overthrowing of principalities. Tu n'auras pas de victoire. We will not have a victory. Nous devons élever toutes sortes de prières. La Bible dit toutes sortes de prières. We must raise any kind of prayers. The Bible says any kind of prayers. Le ministère de délivrance est soutenu par des prières ferventes. The ministry of deliverance is supported by fervent prayers. Et là, Dieu agit. And then God works. Oui, continue. Gloire à Dieu. J'ai eu le travail. Dieu m'a béni dans ce sens. Mais j'ai le mariage, mais je n'ai pas d'enfant. Et je m'étais mariée en 2000. Je me suis mariée en 2007. Et les années aussi filent. La vieillesse, j'approche un peu vers, en tant que femme, j'approche vers la ménopause. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. En tout cas, je cherchais Dieu. Et après le mariage, j'ai eu des grossesses, mais qui sont passées. Et quand j'ai interrogé Dieu, la deuxième fausse couche, je me culpabilisais. J'ai dit, je devais me reposer, je ne me suis pas reposée. Je ne devais pas manger ceci, je ne devais pas manger cela. Oh, c'est moi, je suis à la base de ça. Mais le Saint-Esprit me dit, ton problème est spirituel. Alléluia, ton problème est spirituel. Je ne suis pas allée très loin avec Dieu, je me suis arrêtée à là. Mais quand le renversement des principautés est arrivé, une autre édition, parce qu'elle dit ça plusieurs fois. Il y a des éditions. This is about another edition. Cette année, c'est la 15e, si je ne me trompe pas. This year, if I don't mistake, it's the 15th. Nous sommes en train de nous préparer pour la 15e. C'est pour ça que we are getting ça revient, ready renversement des principautés. For the 15th edition. Donc, au cours d'une autre édition, vas-y. So during another edition, avant même l'édition, j'étais partie rendre visite à ma soeur et ma mère était là. Rendre visite à ma mère qui était arrivée. Et j'étais avec mon grand frère. Et il m'a dit que notre père a adoré le palmier. Et quand j'ai appris ça, parce que j'ai fait beaucoup, on a fait le brisement des liens de beaucoup, ça je ne savais pas. Et j'ai commencé à intercéder dans le 21, dans le Baka, dans le véhicule de transport en commun. J'ai commencé à supplier, oh Dieu, pardonne, 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 pardonne.
Et un jour, j'ai fait un rêve. On donnait des enfants aux femmes. Elles disent non, 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 elles refusaient. J'ai dit, si elle veut, elle ne les veut pas. Donnez-les-moi. Et pendant que je voulais prendre les enfants, il y a un animal qui bondit sur moi. Et je suis tombée. Je n'ai pas vu la face de l'animal. Mais il s'apparente à un ours ou bien un lion. C'est que si j'étais en bas. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai pris le passage de Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Ainsi te parle l'Éternel, Dieu des armées. La Bible dit, tu seras aplani. Mais je dis, tu es aplani. Et j'ai mis mon nom. Qui es-tu, grande montagne, devant Joséphine? Toi qui ne veux pas que j'enfante. Ainsi te parle l'Éternel, Dieu des armées. Tu es aplani. J'ai commencé à proclamer l'évangile, proclamer spirituel. La parole de Dieu. This is called a spiritual warfare. Sans dire, je te renverse. C'est la parole de Dieu que je proclamais. Quelque temps après, quand j'ai fait, c'était à l'édition de 2016, renversement des principautés, j'ai fait le test, j'ai un test positif de grossesse. Jésus-Christ. Jesus Christ. J'étais dans le jeûne. Quand je suis venu voir mon faiseur des disciples, il dit, continue le jeûne. J'ai continué jusqu'à la fin du jeûne. Et Dieu a permis que en mars, le 25 mars 2017, je sois mère d'un mignon garçon. Jésus-Christ. Après 10 ans de mariage, à 43 ans. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Donc, Dieu a renversé la principauté. Et frère, j'ai tombé enceinte toutes les 4 années. J'ai eu une première grossesse en 2008. La deuxième, c'était en 2012. La troisième, c'est en 2016. Et, contre toute attente, en 2018, j'étais enceinte encore. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Donc, les deux petits garçons qu'on donnait, que le diable m'empêchait de les prendre, Dieu me les a donnés. Actuellement, ils sont à la maison. Ils sont en train de se reposer. Donc, je dis infiniment merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est Dieu. Dieu est capable de toutes choses. Et même au niveau professionnel, frère, le combat continue. J'ai refait mon brisement des liens en 2021 pour avoir la promotion. J'étais assistante pour avoir la promotion. Maître assistante, on a refait encore le brisement des liens. Parce que quand je rêvais, j'ai retrouvé pratiquement tous mes parents. Je suis à Korogo, mon village est à plus de... à l'est, je suis au nord. Mais j'ai rêvé, tous mes parents étaient avec moi à Korogo. Alléluia. Quand j'ai expliqué ça à mon faiseur des disciples, il a demandé que je refasse mon brisement des liens. C'est ce qui a été fait. Et j'ai eu le grade de maître assistant. Donc je suis infiniment reconnaissante à Dieu pour toutes ces délivrances. Frère, Dieu m'a délivré encore des prisons sataniques. Que je peux pas. Il y a beaucoup de prisons. Et si je n'avais pas Jésus... Comme quelqu'un dit, sans toi Jésus, qui serais-je? Oui, oui, sans toi, que serais-je? Sans toi Seigneur, que serais-je? Oui, oui, sans toi, que serais-je? Oui, sans Jésus, qui serais-je? Frère, si je n'avais pas Jésus, Rien. Alléluia. Amen. Donc je suis infiniment reconnaissante. Comme ce chant dit, Jésus béni. Il béni. Jésus béni. Il béni. Jésus béni. Oh, il béni. Jésus béni. Oh, quand il promet, il le fait. Il m'a promis le mariage. Il l'a fait. Il m'a promis les diplômes. Il l'a fait.
m'a promis le travail. Il l'a fait, oh, quand il promet, il le fait. Il m'a promis les enfants, il l'a fait. Il m'a promis la gloire, il l'a fait. Il m'a promis la richesse, il l'a fait. Alléluia. Amen. On va continuer la prière, mais je veux rappeler une chose. We'll keep on praying, but I want to recall something. Je vais répondre à une question simple. I want to reply to a simple question. Est-ce que le brisement des liens est facultatif? Est-ce qu'il est optionnel? Is the breaking of evil ties optional? Est-ce que quelqu'un peut dire que moi je n'en ai pas besoin? Can someone say me I don't need it? Tout le monde en a besoin. Everybody needs it. Tout le monde en a. Everybody needs it. Et voici ce que le frère Zach écrit. This is what Brother Zach wrote. Tu as dû grandir dans une atmosphère où le diable était adoré d'une façon ou d'une autre. Maybe you grow in an area where the devil will worship in a manner or another. Un membre ou un autre de ta famille, surtout tes parents. A member of your family, mainly your parents. Ont peut-être été ou sont engagés dans la sorcellerie ou avec les puissances sataniques. Was perhaps or are engaged in witchcraft. À cause de leur acte, because of their deeds, tu es passivement engagé. You are passively engaged. C'est pour cette raison qu'on parle de sorcellerie passive. This is why we talk about passive witchcraft. Tu es engagé. You are engaged. Ne te trompe pas. Don't deceive yourself. Même si tu n'as jamais serré la main à un marabout. Even if you have never greeted a marabout or a witch doctor. Puisque un de tes parents ou un membre de ta famille l'a fait. Since one of your parents or a member of your family did it. Tu es concerné. You are concerned. Tu as même peut-être été dédié au diable ou baptisé en Satan. Maybe you have been dedicated to the devil or baptized in Satan. Un sorcier ou un astrologue a peut-être été consulté pour toi. Tu a n'es witch. Donc pas libre. A witch or an astrologue was consulted for you. Therefore, you are not free. Si on a tracé, si on t'a fait des incisions sur la peau, tu es déjà même lié. If they make holes on your body, you are already tied. Si on t'a lavé. If you have been washed. Si on t'a fait passer à travers du feu. If they send you, they put you through the fire. Si on t'a plongé dans un puits. If you were plunged in a well. Si on a creusé la terre, comme font certaines personnes, on te met dedans. If on ferme. Dug the earth on and they put ta mort you inside. Et ton enterrement, après on te fait sortir. They do like you are dead and they remove you. Tu es doublement concerné. You are doubly concerned. Tu n'es pas libre. You are not free. Deuxième chose. Second thing. Il dit pour te libérer de ces liens. He says to get free of these ties. Je suggère que tu confesses tes propres péchés. I suggest you confess your own sins. Dans ce domaine. In this field. Et aussi les péchés de tes parents ou des membres de ta famille dans ce domaine de leur vie.
and the sins of your parents or the members of your family as well in this field of the lives. Si tes parents adorent par exemple le bois, if your parents for instance worship the wood, tu dis, oh, père, you say, oh father, nous sommes idolâtres. We are idolaters. Nous adorons le bois. We worship wood. Si c'est le python, tu dis, nous adorons le python. If it is the python, you say we worship the python. Si c'est le serpent, tu dis, nous adorons les serpents. If it is the snake, you say we worship the snake. Tu confesses tes péchés et les péchés de tes parents. You confess your own sins and the ones of your parents. Ensuite, and écoutez ce que le frère Zach enseigne sur comment briser les liens. Listen to what Brother Zach teach in how to break the evil tie. Ensuite, activement, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, brise tous les liens forts et faibles qui te lient à ta famille, aussi loin que sont concernés ces engagements surnaturels. Then actively, you break the ties of your parents, the evil ties that links you to these ties. C'est là qu'on parle de liens malsains de famille. Il ne dit pas de briser les liens avec les démons. He is not talking about breaking the ties with demons. Il dit de briser les liens malsains avec ta famille. He says you must break the evil ties with your family. Ce sont les êtres humains comme toi et moi, les êtres humains de ta famille. There les are gens human comme toi beings et moi. Of your family, people like you and I, qui prennent les noms des gens pour amener là-bas. Who take the name of people to go and send there? Je veux être riche. I want to become rich. On dit donne quelqu'un. They say give someone. Et on cite ton nom. And your name is quoted. Parfois, ce n'est pas pour que tu meurs. Sometimes it's not for you to die. On peut donner ton nom, tu meurs. On peut donner ton nom, tu ne meurs pas, mais tu vas passer les jours durs sur la terre. They can give your name and you die, or they give your name, you don't die, but you will go through hardship on earth. Un jeune homme m'a dit, a young man told me, que lors de leur initiation, that during the initiation, à un certain niveau de cette initiation, at a certain level of this initiation, on leur demandait de donner les noms des gens. They were asked to give the names of people. Il m'a dit qu'il a donné le nom de certaines personnes. He told me that he gave a name of some people. Qui ne savent même pas que leurs noms ont été donnés quelque part. Who don't know that their name have been given somewhere? Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Donc tout le monde a besoin de briser. So everybody needs the breaking of evil ties. Vous êtes des étudiants. You are students. En fait, frères. In Dieu fact, brothers, m'a accordé la grâce de comprendre cet enseignement. God gave me the grace to understand this teaching. Je l'ai mis en pratique depuis le Cameroun. I started practicing it since Cameroun. Une femme était venue me voir. A lady came and meet me. Non, elle était allée voir l'épouse du frère Martin. She went and met the spouse of Brother Martin. Quand elle a écouté son témoignage. When she listened to a testimony. Elle lui a dit, va voir le frère Boniface. She said, go and meet Brother Boniface. Elle m'a expliqué que elle est dans un foyer. She explained to me that she is in a house où il n'y a pas d'enfantement. Where there is no child. Que deux femmes ont déjà fui le foyer. Two wives already fled away from this house. Que les maris de nuit dans ce foyer là. The spiritual husband. Ça dépasse l'imagination. Are so strong. Elle dit que les deux autres femmes sont parties. Dès qu'elles sont parties, elles ont eu les enfants là-bas. She told me that the two first wives, well, as soon as they left, they got children over there. Elle était à la huitième année sans enfant. She was at her eighth years without a child. La nuit, elle ne dort. Dès qu'elle ferme les yeux, mariée de nuit, même sur le divan, elle dit que même pour se reposer dans la journée, ce n'était plus possible. In the night, she does not sleep. As soon as she closes her eyes, the spiritual husband is there, even if in the hamstrings. On a brisé ses liens. We break her ties. Elle est rentrée. She went home. Après, elle me dit que later, les esprits sont venus. The spirits came. Mais c'est comme s'il y avait une barrière. But it was like there is a barrier around the bed. Et les esprits n'ont pas franchi cette barrière-là. And the spirit did not cross donc, the barrier. So they don't touch her.
Après, elle a conçu. Later on, she got pregnant. Après, elle a accouché. And she gave life. On peut désenvoûter les gens. We can disbewitch someone. Mais ça demande une coopération parfaite. But it requires a perfect cooperation. L'obéissance, la soumission obedience, à la pensée submission. De Christ. La soumission à la pensée de Christ. Submission to Jesus' thought. Est-ce que nous sommes à ça? How are we together? Le brisement des liens est une bonne chose. The breaking of ties is a good thing. Le frère a dit, brise les liens faibles ou forts. Ne néglige pas, ne dis pas Brother que Zach moi... Said, break bon, the ties, strong pas de problème. Or weak. Brise d'abord. Break first. N'attends pas quand ton corps va chauffer et quand Don't tu auras des vertiges. For your body to become warm and when you will get dizzy. Et puis si tu es un ministre de la délivrance. And if you are a minister of deliverance. Ne montre même pas, même un peu que tu es dépassé, que tu es fatigué. Never show that you are tired or you are overwhelmed. Parce que les gens souffrent. Because people are suffering. Je vous dis la vérité. I can tell you the truth. Vous voyez une petite fille. You see this small girl. Elle a vendu les pains. She sold clothes. Elle était intelligente. She was intelligent. Elle vieillissait dans l'oppression. She was getting old into the oppression. Si, avec un peu de négligence, with a small negligence, elle allait atteindre la ménopause sans enfant. She will have menopause without child. Pourtant, la solution est là. While the solution was there, et toi qui écoutes, you who are listening, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. The Bible said that Elijah was a man of the same nature as us. Si ça a marché avec elle. Worked with him, ça with peut her, marcher avec toi. It can work with you. Vous êtes dans la même CMCI là. You are in the same CMFI. Si elle a prié, elle a obtenu. If she prayed and she got, c'est un message que Dieu t'envoie. It is a message God is sending to you. Jésus a dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Jesus said, what I'm telling you, I tell it to everybody. Veillez. Watch out. Ce que Jésus donne. What un, Jesus gives to one, il le donne à tous. He gives it to everybody. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Je voudrais que quelques personnes prient et on se sépare. I would like some people to come and pray and we'll go home. Père, nous disons merci pour cette âme que tu as révélée au frère Zach et que ton fils a saisi d'une autre manière pour tout le ministère. Nous en sommes dépositaires de ces vérités. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que nous, tes enfants, nous saisissons cette âme, ô Dieu, pour non seulement notre prospérité personnelle, mais pour tout le corps de Christ, Seigneur, de la CMCI et hors de la CMCI. Bénis-nous, Seigneur, en tant que les étudiants, ô Dieu, de cette école, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie pour ce que j'ai saisi. Je peux et je dois entrer dans tout mon héritage. La CNE a usé de persévérance et de bravoure, de résistance. Elle n'a pas cédé un seul instant, ni à un seul niveau. Elle a persévéré à continuer à crier à toi. Et aujourd'hui, elle peut rendre témoignage. Père, nous crions à toi que personne n'abandonne, que personne ne recule. Que personne ne dise c'est trop. Chacun de nous doit entrer dans tout son héritage. Tout l'héritage de Christ. Oh Père, tu as tout payé. Nous devons tout avoir de ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est vrai. Tu as tout planifié pour notre bénédiction. Tu as conçu cela, et tu nous l'as révélé, tu ne nous as rien caché. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour te dire merci pour avoir conçu de nous bénir et de nous bénir, de nous bénir. Et ma prière,
que chacun de nous prenne tout le paquet que tu nous as réservé pour notre bénédiction. Que nous ne trions pas des parties et que nous abandonnons d'autres parties. Donne-nous de tout prendre depuis le début jusqu'à la fin. Donc de mettre du sérieux dans le fait d'accepter Jésus-Christ. Donne-nous de mettre du sérieux dans le fait de nous repentir. Donne-nous de mettre du sérieux dans notre baptême, dans notre marche avec toi, dans les brisements des liens, dans la prière, dans nos assemblées. Oh Seigneur, en priant les uns pour les autres, nous prions que tous les aspects de la prière soient pris au sérieux, que rien ne soit négligé, mais bénis chacun de nous avec la capacité de prier individuellement, de prier en assemblée, de prier collectivement, Seigneur. Donne-nous de ne négliger aucune partie de la prière. S'il te plaît, nous qui sommes notre Dieu en Côte d'Ivoire, qui avons vu, qui avons saisi, qui avons été enseignés nuit et jour, nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses avec la capacité de valoriser ces âmes partout où nous nous trouvons, pour que le brisement des liens apporte ce qu'il doit apporter dans les foyers, dans les familles, dans les villages, dans les localités, pour que les âmes soient délivrées, arrachées à l'ennemi, et que l'envoûtement soit brisé de sorte que les âmes soient libérées. Merci de nous bénir avec une telle capacité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pendant qu'on parle de ces choses, si tu as besoin de brisement des liens, dis à ton ancien. While we are talking about those things, if you need the breaking of ties, speak to your elder. Ça nous permet de répondre à une autre question. Est-ce qu'on peut faire le brisement des liens plusieurs fois? On peut faire autant de fois que possible. It allows us to reply to another question. Can someone experience the breaking of evil ties many times? Yes, we can do it. Dieu peut te donner une vision où tu découvres d'autres blocages. God can une vision dans laquelle tu découvres d'autres blocages. God can give you a vision in which you discover another blockage. Et tu fais le brisement des liens à ce niveau spécifique. And you do the breaking of ties at this special level. C'est une arme, c'est une prière. It's a weapon, it's a prayer. Ce n'est pas un acte ponctuel dans le passé. J'avais fait le brisement des liens. It is not a plan things in the past. You don't say, I did the breaking of evil ties. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Merci. Thank you.